Un conducteur de bus de la Californie du Nord a été acclamé en tant qu'héros. Vendredi dernier, le conducteur Tim Watson, suivant son instinct, a conduit le kidnappeur directement dans les bras de la police de Milpitas, en Californie, empêchant ainsi un kidnapping de se produire. Un garçon de 3 ans avait été rapporté disparu et on croyait qu'il avait été kidnappé à la bibliothèque publique de Milpitas vers 10h40. La police a fermé la bibliothèque et a empêché les gens d'y entrer ou d'en sortir. Les policiers ont aussi alerté les conducteurs d'autobus. Tim Watson travaillait ce matin-là lorsqu'il a remarqué un passager en compagnie d'un garçon qui pleurait. Les deux correspondaient aux descriptions de la police. Watson a garé l'autobus et a annoncé que quelqu'un avait perdu son sac à dos. En réalité, ce qu'il essayait de faire était de se lever pour jeter un coup d'œil au garçon. Il a reconnu le garçon qui correspondait à la description de la police. Le conducteur a donc appelé la police et l'homme a été arrêté. Les parents du garçon étaient trop émus pour faire de déclarations publiques, mais ils étaient très reconnaissants envers la police et le conducteur du bus. La police de Milpitas a arrêté Alfonso David Eddington, 23 ans, qui n'avait aucun lien avec la famille du garçon. Il est maintenant détenu pour des accusations de kidnapping. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.tomonews.net.